On se retrouve dans un parking privé en skateboard électrique en carbone très puissant et le but de cette vidéo c'est de te montrer ça. Le but c'est de te montrer que les planches d'aujourd'hui elles sont vraiment ultra puissantes et que c'est pas à mettre dans toutes les mains. Là je te montre un gros plan sur un des moteurs et la courroie qui tourne et tu peux voir toute la puissance et le bruit qu'elle fait, c'est vraiment hyper impressionnant. Et pour rentrer dans les détails, cette planche elle a deux moteurs de 3500 watts, c'est vraiment des gros moteurs. Évidemment t'es pas obligé de rouler avec le mode le plus puissant, il y a 4 modes de vitesse et tu peux démarrer à 20 km/h bridé comme la plupart des gens. Mais très vite tu peux rentrer dans les paramétrages et demander à ta board de développer sa pleine puissance. Une planche comme ça, ça reste quand même super maniable et là tu peux voir le truck arrière qui fait le taf. Ah d'ailleurs là j'ai failli me gaufrer, c'est des trucks en double kingpin, c'est des trucs faits pour carver vraiment et là tu vois je peux slalomer tranquille entre les poteaux. Mais le plus drôle c'est qu'on a testé de mettre la marche arrière et de retourner notre board et donc d'avoir les deux moteurs à l'avant et pas à l'arrière. Et là ça change vraiment tout parce que tu as énormément d'accélération, ça patine presque au démarrage et quant au freinage c'est vraiment hyper mordant, c'est même complètement casse.